Bonjour, Alexandre Dubot, je suis le dirigeant de la coutellerie Jean Dubot et je suis là aujourd'hui pour parler de notre belle entreprise Sur en Vrai. C'était mes arrière-grands-parents qui ont créé l'entreprise en 1920. On fait, comme je te le disais, donc des couteaux de cuisine qui répondent à différents besoins pour la cuisine. On fait aussi tout ce qui est couvert de table, des couteaux, des fourchettes, des cuillères, des cafés, etc. Et donc nous sommes dans un petit village dans la montagne tiernoise et l'entreprise est toujours restée dans ce village-là. C'est-à-dire depuis 1920, elle est toujours restée dans ce village-là. Ok, bah écoute Alexandre, waouh déjà, wow. Pas mal de trucs, mais qu'est-ce qui te fait le plus kiffer là? Bah, ce qui me fait le plus kiffer, là on a un couteau de cuisine, un Santoku, donc ce qui est un produit qui est entièrement ajusté à la main, en manche, en chaîne, okay. Certifié PEFC, donc on utilise là du bois issu de... forêts qui sont gérées. Voilà. Alors je ne sais pas si ça va t'impressionner, mais pour nous c'est une grande fierté à l'Élysée. Ils font une grande exposition sur le fabriqué en France. Les entreprises peuvent s'inscrire pour avoir un produit qui soit retenu justement lors de cette grande exposition du Made in France au Palais de l'Élysée. Alors je vais te présenter le projet, c'est le fameux couteau Sens, c'est pour notre collection Sens, voilà, qui est totalement lié à l'économie circulaire où on réutilise du déchet plastique collecté en France. D'accord. Et donc cette gamme de produits-là, début juillet, vont être présentés au salon du Made in France au Palais de l'Élysée. C'est une reconnaissance de notre savoir-faire et puis c'est une reconnaissance aussi du savoir-faire de Jean Dubot, mais aussi pour notre engagement pour l'environnement. Et ça, c'est... c'est... Comme tu dis, c'est stylé. Yes. Auparavant, chez Jean Dubot, on fabriquait beaucoup. Donc, c'est un sabre. C'est avec une lame, disons, une lame carbone. Hein, ouais. C'était les anciens aciers de l'époque. Je peux me permettre de... Waouh. C'est stylé, là. Ça fait un petit peu partie des produits coniques de l'entreprise. Est-ce que ce couteau-là, donc, il est conscient, c'est pas une lame, elle n'est pas émoussée ou autre. Là, je peux couper un truc avec, il n'y a pas de souci. On peut couper quelque chose. Et qu'est-ce que tu veux faire? Tu me fais peur. Écoute, est-ce que tu connais le jeu Fruit Ninja? Alors, j'en ai entendu parler. Ouais. Bon, on t'envoie des fruits, tu sais, avec moi, tu dois couper des fruits avec... D'accord, et ils utilisent un sabre? Un sabre Jean Dubot? Oui. C'est Fruit Ninja by Jean Dubot. By Jean Dubot. Fruits, après on va les manger. Les fruits, on va les manger, bien entendu. Parce mais que là, on... chez Jean Dubot, nous, on ne jette rien. Donc, en vrai non plus. Donc, on va les découper. Petite salade de fruits.